Ah, comment tu vas, Miss Rachi, aujourd'hui? Très bien! Et vous, les Parfait. copains et les copines? Va très bien aujourd'hui. Devine qu'est-ce qu'on va faire, Miss Rachi? Prank, voilà exactement. On va pranker sur YouTube. J'ai trouvé une idée de ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Yes! Ok. Vas-y! Bah tu sais, il y a ma petite sœur. Ayata Kamourir. Ah Il y a Ayata Kamourir qui est rentrée de la crèche et du coup je me suis dit tiens, on va pouvoir la pranker un petit peu. Et mes parents ils rentrent un peu plus tard et j'ai envie de lui faire croire que bah, on a plus d'argent et qu'il faut qu'on déménage dans une petite maison où elle aura plus de chambre. Ah merde, ça c'est con. Ouais, parce que Aya, elle aime beaucoup sa chambre, elle aime bien avoir son espace personnel et tout, et j'ai envie de la pranker là-dessus pour voir sa réaction. Mais qu'à Je mourir vais. en sueur, hein. Ah bah oui, elle va être clairement en sueur. Mais du coup, je vais garder mon téléphone allumé sur moi en caméra, elle va pas le remarquer, et on va filmer toute sa réaction. Ça va être drôle. Ok. Je vais préparer ça, hop. On va filmer tout ça, et voilà. Et salut les amis, c'est Chassis Prank YouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh my god, attends, mon téléphone il sonne. Oh putain, Attends. t'as des fans. Ouais, attends, c'est juste YouTube, à mon avis, m'appelle. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais? Ok, bref, là j'ai pas le temps. Bisous, Bi! Oh, laisse tomber, c'est des fans. Ah bah c'est ça, hein. T'as vu YouTube, maintenant ça marche hyper bien. On a des fans Ah bah oui. partout dans le monde. Bon, Non, en mais tout cas. l'autre fois j'ai ouvert un booster Pokémon, du coup tout le monde m'aime. Ah ouais, le booster, t'as eu un Dracaufeu, j'espère au moins. Non, non, j'ai pas eu un Dracaufeu. Ah, trop naze. Bon, en tout J'ai cas, un les amis. loup-garou. Les amis. On va du coup pranker ma petite sœur Ayette à Kamourir. Et on va lui faire croire qu'on déménage dans une toute petite maison. Voilà. Et du coup, voilà, on va lui faire croire ça tout simplement. Et regardez en face, il y a ma sœur Weshden qui habite juste en face là, qui a déménagé. Voilà, regardez, il y a Weshden. Coucou! Coucou! Hop, et voilà. Allez, on descend. On va d'abord chercher ma sœur qui doit être dans sa chambre. Aya n'a qu'à mourir. Aya! Aya n'a qu'à mourir. Dis-toi, t'étais moche déjà. On dirait un bonbon. Bah, Aya, voyons, Dans une on parle Miss pas. Rachid la plus belle. On parle pas comme ça aux invités quand même, Aya, t'as qu'à mourir. Invité, invité, on t'a plutôt Voyons. qu'à se inviter. Ok. T'as qu'à Et mourir. arrête de sauter sur ton lit, tu vas encore casser toutes les lattes de ton lit là. Et là, Ok. qu'est-ce que c'est? Moi, j'en aurai un neuf. Ok, Ayataka, t'as qu'à mourir. Tu viens ici, on va aller En discuter plus, en ma bas. sœur, elle a un truc très important à te dire. Hein. Très Ça fait très long à important. pleurer. Qu'est-ce qui se passe, ma grosse sœur chérie d'amour, que je préfère à Miss. À Miss Gros Cul? Amis, la plus belle. Allez, venez, comme d'habitude, c'est le canapé de la discussion. Où on discute de Yes! choses très sérieuses comme d'habitude. C'est toujours ici que Un ça peu finit. de tout. Alors, il faut que tu saches une chose, Ayata Kamura. T'as qu'à mourir, pardon. Il va falloir qu'on déménage parce que on n'a plus d'argent. Pas grave, on aura une grande maison, on sera riche et célèbre, on sera famous. Non, on a moins d'argent qu'avant, donc on aura une plus petite maison. Et dans Sérieuse? cette nouvelle maison, bah, t'auras plus de chambre. Attends, je vais te J'ai montrer de la la photo, farine elle est presque très sur belle. ma tête, hein. T'as que quoi? Attends. Regarde la photo. Regarde la photo. Aïe, t'as qu'à mourir. Une photo de ta poitrine. Tu vois Regarde la photo de cette. la. Regarde. Attends. Tiens, regarde. Attends, là tu parles de ce trou paumé Ouais. Tu vois cette là? petite Non, ça s'appelle pas une maison, cabane là? ça s'appelle un body. Vous blaguez là? Bah tu Bah sais, non, non. t'as qu'à mourir hein. En fait, t'as un toit sur la tête, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? Pas Certes, toi. on a perdu beaucoup d'argent, mais on est Mais toujours pas une toi. famille, on est toujours réunis et on a toujours un toit sur la tête et de la nourriture sur la Y'a table. pas C'est de plus toi. important. Eh eh eh. Bah, il est Aya, un tu veux peu. pas gagner D'accord, chez ok, toi? il est un petit Attends. peu cassé le toit, mais c'est pas grave. On mettra des. On Attends, ira mais je chercher trouve des morceaux de sexy. bois dans la forêt et on les mettra sur le toit.
Chexy, attends deux secondes. Attendez deux secondes. Aïe, t'as qu'à mourir. T'as qu'à mourir si t'es pas contente. Alors tu vas te calmer déjà, Miss Rashi, là, avec ton vécu. Miss Rashi, tu dis quand même à petite soeur d'aller mourir, là. Oh, oh, oh. Et... Attends, quoi? Jessie, c'est ma grande soeur préférée. Je te préfère à Weshden. Avec ses chansons qui sont quand même pourries, sauf une. Va t'y réfléchir. La vie, ça va trop vite. Prends ce que t'as pour vite. Mais ouais, mais en tout cas, on va devoir déménager. Et bah viens, je vais t'aider à préparer tes affaires. Il faut que tu prépares une petite valise, là. On n'a pas beaucoup de place dans la nouvelle maison, donc faut pas que tu prennes grand-chose. Allez, viens. En fait, t'as pris que quoi? Je vais prendre toute ma garde-robe, hein. Ça va être un peu compliqué. J'espère que ce sera que des vacances, hein. Quand j'ai dit pour survivre. Faut que tu mettes tout dans la valise, là. Faut que tout rentre dans cette valise, hein. Prends juste de quoi survivre, surtout. Ouais, prends des choses pour quand il fera froid, parce que... Mais tu vas pas marquer une machine à popcorn, on a pas de place pour ça là-haut. Mais non. Je t'ai dit, toutes tes affaires, elles doivent rentrer dans une seule valise. Donc il faut bien que tu choisisses tes affaires parce que... Tout au hasard. Voilà. On va pas avoir beaucoup de place, mais surtout pense à prendre des affaires pour l'hiver, hein, parce que l'hiver, il y a pas... Je t'ai pas dit, mais il y a pas d'électricité là-haut, du coup, on n'a pas de chauffage, hein. Mais la ville, le chauffage. Oh. Prends des bonnes couches polaires. J'ai un jacuzzi chez moi. La maison est plus nulle que Richard, là, bidule. Mais moi, j'ai un jacuzzi chez moi. Est-ce que tu vis chez toi? Je t'aime bien, en fait. En plus, t'as vu des cheveux. T'as mis la plus beau que chez ma soeur. Mais Ayata qu'à mourir. On est une famille, faut qu'on reste ensemble. Non, je vous aime pas, je vous rappelle. Hein, je vous ai jamais dit que vous aimiez. Oh, petite, t'es tellement belle. Je serais ravie de te prendre sous mon bras. Non, mais en fait, vas-y, va mourir, t'as qu'à mourir. Non, mais en fait, c'était un prank. Hein. Elle va pas t'emmener chez elle, c'était ça le prank. Et on va aller habiter dans une cabane. Et ouais. On prend qu'ils sont plus nuls que votre espérance de vie. Moi aussi, je suis pauvre. Hein. C'était pour rire, hein. J'ai pas de jacuzzi. Ça, on voit ta maison d'en face. Hein. Je te rappelle qu'on voit ta maison. Hein. Elle est trop belle. Mais c'est la maison de Weshden, wesh. Ouais, c'est les machines qui squattent, je te rappelle qu'elles te payent. Hein. Allez, vas-y, on y va. Allez. C'est bon, t'as bien rempli la valise. Il n'y a pas de place pour mon PC, pour ma boîte. Mais de toute façon, il n'y a pas d'électricité, ton PC te servira. Je m'en fiche. Perfect. Ok, bon, on va descendre en bas. Et viens, il faut que tu récupères. Oh, bah, il y a les papas qui sont... Tiens, je te donne la valise. Prends la valise. Bah, ils sont dans la voiture, je te rappelle. Ah, bah, attendez. Il y a les papas qui sont arrivés. C'est en bas. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Et comment ça va, papa? Bonjour. Ça va et vous? Tranquille. Au ventre. C'est bien. Ah, bon, les filles. On avait besoin de vous parler de... Venez, asseyez-vous là. Dis donc, t'es gentil, je ressens hein. Ça va, j'ai grandi un peu. Ouais, bon, du coup, papa et papa devaient vous parler. En fait, on a tous les deux perdu... enfin, on doit plutôt, là, vraiment déménager. Du coup, on va aller dans une nouvelle maison. Oui, parce que, ok, ouais. On a perdu notre boulot. Ok, ouais, clin d'œil, ouais. Effectivement, oui, on a perdu la maison. Ouais, du coup, voilà. Ah bah vous avez déjà fait vos valises, c'est parfait ça, comment vous avez su? Ouais, on l'a su, clin d'œil, t'inquiète. allez, let's go, venez, on va dans le camion. Vous foutez de moi, déjà ce nom, allez. On dirait... Misrachi. On dirait un nain. Je crois que mes pères, ils ont tilté que j'étais en train de faire un prank avec les valises. Et du coup, ils pensent vraiment que... Attends, va avec papa, j'arrive. Avec papa, Ayata qui a à mourir. Allez, ouvre les dindons. Va avec papa. Va avec ton père, j'arrive, je parle après. Non, je veux habiter chez toi. Va avec papa, sinon je te rends dans ta valise et je t'expédie en Afrique. Oui. Viens, Chexy, qu'est-ce qu'il y a? Je t'en peux pas te livrer. Après des vacances. Non, je dis, Miss Rashi, je crois que mes parents, mes papas, ils pensent vraiment que c'est un prank, ils sont en train de jouer le jeu, c'est trop cool. Regarde, mon prank, il va trop bien marcher là sur YouTube. Ouais, ça m'a choqué. Bah ouais. Bon, allez, on finit de jouer le jeu avec mes pères et puis on lui dit la vérité. Ouais, allez, vas-y, on y va. Okay. Allez, c'est parti. On y va. Hop.
Vous allez voir, la maison, elle est pas mal. Hein. Ah ouais? Ouais, on l'a choisi spécialement pour vous. Oh, super, voilà. Une nouvelle maison, j'attendais que ça. Moi, perso, j'aime bien, ça change, j'aime bien. Hop, incroyable. Voilà, on est arrivé. C'est ici? Voilà. Oui. Trop belle, une nouvelle maison. T'as l'air belle. Bon. Alors, ça vous plaît? Jacuzzi? Moi, perso... Non, ouais, ouais, jacuzzi, t'as toujours pas cassé qu'on avait pas de jacuzzi. Bon, oh, tu m'énerves. Écoutez, écoutez-moi tout le monde. Je pense que papa, vous avez bien joué le jeu, mais papa, mais du coup, on peut lui dire la vérité. En fait, c'était un prank à Yataka mourir. En fait, on habite toujours là-haut. Non, ouais. Non, c'est pas un point qu'on habite maintenant ici, en fait, j'avais vraiment perdu mon boulot, en fait, parce que j'ai fait des photocopies de mes fesses dans l'imprimante de l'entreprise, et du coup, il y a mon patron qui a vu ça, et il a pas aimé mes fesses, du coup, il m'a renvoyé. Bah, je te dis, même temps, t'as vu tes fesses, ok, et toi, tu t'es fait renvoyer aussi, tous les deux? Ah bah, ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, tu vois, ton père, c'est très bien qu'il travaille dans un cirque et tout. Ouais. Et le problème, c'est que il fallait rentrer, tu sais, les éléphants dans le cirque. Ouais. Mais le problème, c'est que bah ils ont pété un câble, les éléphants. Donc bah ils ont écrasé les gens. Et c'est donc, pas dans le cirque bah, qu'ils sont rentrés. C'est pas très drôle, mais ce que je veux dire, c'est que bah il y a eu des blessés. Quoi. On est pas en mode prier. J'ai une sœur totalement teubée et j'ai la meilleure amie qui avait pas se coiffé les cheveux depuis une heure. Ouais, voilà, quand voilà. Le patron m'a dit t'as blessé des gens et tout, donc tu dégages, je veux plus te voir. Ok, donc ça veut dire en fait que vous avez vraiment perdu vos travails, ça veut dire qu'on a vraiment perdu la maison, que ça veut dire qu'on a vraiment habité ici et que c'est pas un prank. Ouais. Oh non. Et ça veut dire aussi qu'il y a des éléphants sauvages qui se baladent dans la ville, qui tuent des gens, et aussi qu'il y a mes fesses qui tournent partout sur internet. Voilà. Vous jouez à l'intérieur. Oh, donc merde. Ça veut dire la honte. Après, si vous voulez un jacuzzi, y'a pas de soucis, hein, y'a le bain. Hein. Oh merde, je vais prendre la chambre, je suis la première, c'est ma chambre. Il y a une seule chambre, en fait. C'est ma chambre, je suis la plus grande, c'est à moi de la ensemble, voir. Hein. Après, on va tous dormir ici. Attendez, c'est la seule chambre de toute la maison, là? Oui. Il y a la baignoire, t'as une salle de bain, oh my god. Après, vous pouvez dormir dans la baignoire, y'a pas de soucis. On a tout donné pour voir cette maison. Oui. Mais vous savez que Ayataka mourir, elle prend déjà 3h le matin, toute seule? Et bah, faudra qu'elle se mangue le boule, quoi. Après, il y a une immense d'eau derrière dans le jardin. Du coup, vous pouvez vous laver là-bas aussi, quoi. Oh non. Parce que de toute façon, on n'a pas... Non, de façon, moi, on n'a pas de chaud ici. Mais non. C'est à l'abri des regards, donc personne ne vous verra. Il n'y a pas de soucis. Serait, j'ai une idée. Ouais. Vas-y, on va squatter à la maison Weinstein. Ouais, je crois qu'on va squatter à la maison Weinstein. Bon, papa, on revient plus tard, ok? Ouais. On revient plus tard. À plus tard, papa. On revient plus tard. Tout à l'heure, elle est partie Weinstein, mais elle sait pas qu'elle est plus là, en fait. Weinstein. Non. Weinstein.